La Provence est une terre de légendes. Notre aventure a commencé dans le massif de l'Estérel, à la roche rouge volcanique caractéristique, dont le nom évoque la déesse de fécondité, connue localement sous le nom d'Estérella. La Provence est aussi une terre de mégalithes. Ils sont plus tardifs que ceux de Bretagne. Ils sont datés de la période finale du Néolithique. On y dénombre 115 dolmens, 53 menhirs et 183 tumulus. Dans le Var, on a un groupe central près de Brignoles, un groupe situé dans les massifs des Maures et de l'Estérel, puis enfin un groupe oriental qui se prolonge vers l'arrière du pays grassois, dans le département voisin des Alpes-Maritimes. Près de Grasse, les vestiges sont très concentrés sur la rive gauche de la Siagne. Près de Saint-Vallier-de-Thiers, on mentionne la légende d'une pierre druidique qui est en fait un phénomène naturel appelé cheminée de fées. On a aussi une deuxième pierre druidique au milieu d'un plateau et qui semble avoir, elle, une origine humaine. On trouve des sites remarquables avec plusieurs menhirs près de la commune des Arcs-sur-Argence à 300 mètres d'altitude. Les sept menhirs de ce site ont été retrouvés dressés, couchés ou partiellement enfouis. On les a nommés par les sept premières lettres de l'alphabet. On trouve également non loin de là de curieux monolithes rectangulaires troués à l'ombre d'un sous-bois. Sur les hauteurs de Saint-Raphaël, le menhir d'Herpéron a la caractéristique principale d'être orné du symbole du serpent, rappelant le caducée des médecins et pharmaciens. Ce menhir aurait, selon la légende, des vertus guérisseuses. Trois autres menhirs du groupe dit de Vessières sont disposés au cœur d'un quartier résidentiel en bordure de route. Ils ont été préservés des constructions. Le menhir des Pétignons, lui, se trouve au pied du rocher de Roquebrune. Il mesure 2 mètres de haut et est surmonté d'une croix en fer qui a été rajoutée, semble-t-il, au XXe siècle. Avec environ 3 mètres de hauteur, les menhirs du plateau de Lambert à Colobrière sont les plus grands de Provence. Les légendes qui courent mentionnent que les deux pierres jumelles marqueraient l'entrée d'un souterrain conduisant à la chartreuse de la Verne, qui est un monastère situé non loin de là. Mais il s'agirait là aussi d'une tentative de christianisation du lieu. Le dolmen de la pierre des fées à Draguignan est le plus visité de la région. Il est constitué par 3 hautes dalles verticales soutenant une lourde table imposante de plus de 5 mètres de long et de 20 tonnes. Il a été restauré en 1951. Il est lié à la légende de la fée Estérel. Ce mégalithe est cité par Jehan de Nostredame, le frère de Nostradamus, dans son livre « La légende de Saint-Hermentaire ». Le dolmen des Terriers, de forme rectangulaire, ouvre son couloir sur le soleil couchant. Le dolmen de Gaoutabri, qui ressemble en taille et en configuration, se trouve près de la Londe. Il a toutefois une architecture plus complexe avec un couloir et une antichambre, avec une chambre principale où étaient entreposés les morts, ce qui dénote des rites funéraires plus complexes. L'orientation de ce monument est sud-ouest ou 225 degrés, ce qui est une constante remarquable pour de nombreux dolmens de Provence-Languedoc. L'ouest est le symbole de la mort et le jour du solstice d'hiver, le soleil se couche dans l'axe du dolmen pour redonner vie aux morts et ranimer leur mémoire. Dans le département du 06, les dolmens sont plus petits, de forme plus carrée avec un couloir plus court, mais toujours dans la même orientation. Ici, le dolmen a 3 dalles et 2 piliers. La dalle de chevet présente de nombreuses coupelles et des croix de christianisation. Les fouilles ont mis à jour des squelettes en position semi-fléchie. Cet autre dolmen, près du village d'Escragnol, est assez semblable et érigé au centre d'un tumulus d'une dizaine de mètres. L'entrée s'ouvre à l'ouest sur un petit couloir de 3 mètres de long. Sur les hauteurs de Grasse, près du bois de Bridic-d'Amont, on trouve 2 menhirs au sommet d'une colline et au centre d'un amas de pierres en tumulus. Les 2 vestiges semblent avoir perdu leur dalle de recouvrement. Enfin, plus à l'ouest du département du Var, près de Salerne, on trouve le Tholos de la Love, qui serait plus ancien que les pyramides d'Égypte. Il s'agit d'une tombe collective dont la caractéristique est d'être une chambre funéraire circulaire. Celle-ci fait 1,80 m de diamètre. Lorsqu'elle a été explorée pour la première fois en 1950, elle contenait les restes très brisés d'environ 25 individus de tous âges. Elle a été bâtie à l'origine avec un niveau supérieur qui servait à des rites de crémation.
En conclusion, l'étude des mégalithes nous conduit dans une approche à la fois pratique et spirituelle des grands mystères des hommes. Les dolmens évoquent le grand passage vers l'au-delà inconnu, que l'on nomme la mort. Les menhirs évoquent la fécondité, la vie avec un grand V. Au milieu, le soleil éternel poursuit sa course et rythme l'histoire des hommes.